Bonjour YouTube, dernière VOD pour ce soir, pour cette nuit même, parce que c'est 1h30 du matin. On a pas mal avancé là, je suis content de retourner, ça me fait plaisir. Demain, on parlera ça en fin de VOD, ce que se passe demain. Rien de grave, rien d'important. On a une forêt, on a une tombe ici, on a un arbre-monde là avec une sorte de petite forteresse. Cet arbre-monde. Excusez-moi, cet arbre-monde m'intéresse. On va rajouter ça ici. Une forteresse ici, on a mis qu'il y avait un boss. Non, c'est plutôt. Entrée de cave, hop. Ok, ici. On avait gros monsieur là-bas, pas beau. On sait pas quoi en faire, mais c'est sûr qu'on puisse monter dedans en fait. En fait, j'aimerais bien monter dedans, moi. Petite rune d'or et foin. Un bouclier à ramure. Et je suis tombé, c'est chiant ça. Ah, je tombe là, c'est chiant. Ouais, non, l'ambiance. L'ambiance, quoi. Je sais pas le meilleur plan de cam, celui-ci. Un jour, je changerai ce plan de cam, parce que là, bon. Quand je suis concentré comme ça, là, vous me voyez pas, en fait. C'est sûr qu'on peut monter dedans, en fait. Monter dessus, plutôt. Délice de Tina. Toujours un pour du crafting, genre le truc qu'on peut pas faire encore. Ah, là, il est bien penché, bien en mode viens me monter dessus. Et il y a une cité de grâce juste ici, quoi, vraiment. On m'en a enregistré. Ah, mais si, on peut monter dessus, mais qu'est-ce quoi? En plus, il est en mouvement et tout. Faut être patient, je pense. Ah! Sûr que c'est possible, la petite montée là? Si, en plus il peut être proche, donc ici c'est possible en soi. Faudrait qu'ils arrêtent de me proposer l'effigie de Marika, un jour je vais cliquer dessus. Belle cette image. Il est vachement proche quand il est par là. Est-ce qu'il y a un deuxième moyen d'y aller à part ici? Non. Il est là. Oh là, il est pas assez bien. Putain, ouais, c'est ça. Quand il se prépare à faire son gigasaut, faut y aller. Faut pas avoir peur, faut y aller. Arrêtez de me proposer l'effigie! Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Salut, vous, je vous ai déjà combattu, vous. Oh, il est trop bien là! Non, c'est loin! Pas d'autre moyen plus haut, ça sert à rien. Derrière, y a rien. Non, c'est le seul moyen, c'est par ici. Là, il est bas. Mais sûr, hein? Parce que là, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait un mur invisible. Hein. Ah, mais quand il étale son cul contre le sol, y a pas moyen d'entrer. Oui, c'est bizarre ce que je viens de dire, mais. Viens de me rendre compte d'un truc. Une échelle, il y a quelque chose là dans son cul. Non, il s'est rien passé. Ok, c'était pour être sûr.
Et sur les autres côtés, non, c'est vraiment ici qu'on peut passer. Qu'on peut monter dedans. Oui, il y en a un deuxième là. J'ai pas vu. Non, faut être patient, faut être patient. La distance c'est grande, mais on y croit. Là, quand il fait ça. Non, là c'est trop bas. Et il s'est éloigné là. Voilà, viens par là, viens par là, viens par là. Ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Voilà, rapproche-toi. Petite à petite. Putain, il s'est pas baissé assez. Je pense pas que ce soit comme ça qu'on fait. Bon, continuons, parce que je pense pas que c'est en fait. Je pense qu'il y a un moyen. Comment grimper sur les cailloux éléphants? Tuto. Tuto Elden Ring. Ok, la suite. La suite, c'est par là. Ok. Le cheval, c'est par ici. Ok. Il y en a un qui a l'air d'être. Oh, il a l'air d'être tellement plus faisable. C'est des grandes hauteurs, hein, ici. Alors, tu meurs. Oh, je te tape. Et il y a un arbre monde aussi par là, je viens de me rendre compte. J'aimerais bien juste savoir s'il y a un petit feu dans le coin avant que je le tente. Non, c'est l'heure de le tenter du coup. C'est pourri les man qu'elle m'a donné là. Oh, mais faut que je regarde, faut que je garde ma squad team là, c'était pourri. Ok. C'est bizarre. Oh, je fais des esquives de la mort, pas du tout. Par contre, relève-toi, c'est optionnel. Ok. Ce tic de langage de dire c'est optionnel, mais c'est vrai, hein. C'est des DLC des fois. Midlife, midlife, midlife. Il n'a pas pris ses saignements pour l'instant. Speed. Ok, on va continuer à pied. Ok, c'est pas grave. Potion, vite. Potion, vite, ça veut dire quoi dans ton oreille? Bon, on va le tenter, c'est un arbre au monde mineur, ça se tue. On va juste reprendre notre squad team. Une effigie bonne, une effigie bonne, une effigie bonne. Ça là, comment on monte dessus? Une effigie très bonne. Équipement. La squad team est beaucoup mieux. Même si en résultante, c'est pas ça que je voudrais. Le cheval est mort. Ah non, ma squad team s'est pas activée. Voilà, ils sont tous midlife histoire de commencer la game quoi.
Et le saignement. Oh putain. Le saignement. J'oublie, je fais toujours ce petit coup de trop. Ok, c'est parfait. Ah ouais? Ah, oh, cheval XP. C'est pas grave, j'ai pas eu mal. Je le fais tellement mieux à pied. Je sais pas pourquoi je force avec ce cheval alors que je lui nique sa gra... Là, si je pouvais remettre les niveaux à zéro, j'en foutrais dans la mémoire quand même. Hein. Parce que là, c'est pour... Enfin, juste pour essayer d'avoir des nouvelles âmes et surtout les améliorer. Je sais pas où ça s'améliore. Ok. J'ai pas envie de me faire toute la... Allez, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Ouais, ça marche comme ça. Toujours, hein, le coup de pied. Le coup de pied, on y pense. Voilà, pas en arrière. J'oublie. Un gauche, un droit, un au milieu. Voilà, je voulais pas qu'il appelle les gros. Je lui fais mal, putain, prends tes saignements. Faut que je fasse du feu. Alors, le bouclier. Que quand j'appuie sur touche, ça fait un bouclier. Hein. Tiens. Putain, je veux juste te taper. Pas à cheval, pas à cheval, pas à cheval, ça sert à rien. Si, mais faut que je joue mieux. J'en ai la caboche. On va voir avec du feu si on lui fait mal. Inventaire. Pourquoi j'ai un ennemi? Bah ouais, j'ai le saignement, je peux plus. Salut. Ah non mais c'est bon. Je suis vénère. Je suis... Ah non mais oh hein. Je suis facile. Vite saute! Avec ton pot de fleurs. Il tue tout le monde. Je lui fais pas tant de dégâts que ça. Mais par contre, qu'il prenne pas son saignement, c'est relou. Après, c'est un arbre, c'est logique. Voilà, je joue plus jamais à cheval de ma vie. Non, je suis mort là, ok. Ils sont pas derniers, il est simple, hein, mais sa portée, elle me casse la gueule. Écoutez, on va voir s'il y a d'autres boss, on va monter. Ouais, on va voir s'il y a une suite. Donc on a l'arbre monde ici.
On le fera plus tard, on le fera plus tard. On le garde de côté en mode tu sers à quelque chose. Ok. On a lui, on peut monter là-haut. Mais comment on monte? Par là. Il a l'air quand même d'être vachement loin des parois. On le garde l'arbre mandant, vous inquiétez pas. On se le met de côté. Il n'y a pas l'air de pouvoir monter par là, je sais pas pourquoi j'y ai cru. Mais il y a l'air de pouvoir faire le tour de l'arbre. Ok, faut qu'on retourne à l'arbre. Eh si, il se rapproche bien de la falaise à certains moments. Y'a moyen, y'a moyen, y'a moyen, y'a moyen. Moyen, y'a moyen. Armement de mineur. Y'a moyen! Putain, mais c'est où la suite? J'ai pas eu mal. Ouais, sauf que là on est en bas. Donc pour aller là, faut passer par ici. Donc faut faire tout le tour. Donc c'est relou. Donc il n'y a que l'arbre magique ici. Donc. Comment ça s'appelle? Donc Internet. Comment améliorer les cendres? Les invocations, oui, les cendres. Rencontrer, c'est la maison d'un PNJ complètement. Spirit Age. Où est-ce que c'est? T'es qui? T'es où? Non, je veux juste savoir où est-ce qu'on améliore. Les cendres d'esprit. Avec la spécificité. Les classes nouvelles mécaniques majeures entre les cendres d'esprit, blablabla. Cloche, comment les invoquer quand tu descends? Vous pouvez l'invoquer en coop, en PVP. Comment améliorer? Il est possible d'améliorer, il faut aller où? Cendre de cabane de Valorage, quoi? C'est vraiment? Tout d'abord, sur le chemin des Valorages, parce que les cendres sont automatiques. Une fois que vous avez le tableau rond de la grâce, le soutenir du concours, vous devez insister parfois, mais une fois que vous avez convaincu. Alors, une fois l'accès à la table ronde, et trouver le souvenir du cocon sur ton ouvrage. Trouver le souvenir du cocon. Vous le trouvez près de la cheminée. Parlez-lui. Je l'ai déjà vu, elle. À partir de là, vous devez faire afin qu'il accepte de lancer une loi de forcement sur les tuer. Donc, faut que je lui parle. Faut que je trouve le souvenir du cocon. Faut que j'aille là-bas. Ok. C'était si loin. C'était à une époque. Cabane du Valorage, c'est ici. On ira lui parler. On ira faire des allers-retours. Et puis, blablabla. Pour les améliorer. C'est ce que j'ai compris. Elle est plus là, c'est ça? Par contre, elle m'a laissé une belle graine dorée, ça fait plaisir. Donc elle est là-bas. Imaginez, genre, elle est morte et je pourrais jamais améliorer mes armes. Non. Non, j'y crois, elle est là-bas. Elle est là! Yo, dialogue, dialogue, dialogue. Qui a cru? Ouais, bon. Ok, toi. Dialogue. La fille que vous amenez ici, elle décourageait à peine. Mais elle a une énorme. J'ai déjà vu quand même il y a longtemps. Elle avait plusieurs même fois le même regard. Ok. On va leur parler à elle. Yaman, il va parler de toi. Vous dites que je possède ce genre de don, je ne crois pas un mot, mais si je déposais deux salons, le ciel m'en est premier. J'imagine que j'aurais plus pied de m'instruire, c'est plutôt intimidant, sans éclat, mais je suis consommation de la table ronde, alors je viens qu'au fond de mon cœur. Ok, lui, qu'est-ce qu'il va dire? La fille, eh bien quoi?
Vous avez perdu la raison, qui accepterait ce qu'on a d'une forme qui ne fait rien d'autre que de forger? C'est absurde, qui se consentirait? C'est ce qu'elle souhaite. Je refuse d'y croire. C'est pas pour vous, mais je reconnais quelque chose de trop haut pour être vrai. Je vais aller lui reparler, je vais te convaincre un petit peu. Si j'ai du talent d'harmonisation, je pense surprenant, j'imagine que je devrais le développer. Non, je demanderai de m'instruire. Elle répète son dialogue, elle. Et toi? Ça n'a rien changé. Oh, j'ai des boucliers. Il faudrait que je regarde si j'en ai pas des meilleurs. C'était quoi la suite? Le souvenir du cocon de machin là. Elden Ring. Comment améliorer les cendres? Blablabla. Blablabla. Améliorer les cendres. Blablabla. On va aller voir là. Qu'est-ce qu'il nous faut? Rendez-vous dans la cabane de Stormbay à l'est, trouvez Roderick à la cabane, vous trouverez le manteau de Chrysalis au château de Stormbay. Allez au deuxième étage après que... Ça, j'ai pas fait. Ça, là. Lorsque vous lui donnerez le manteau de Chrysalis, elle se rendra à la table ronde pour trouver le meilleur but de sa vie. Maintenant, dirigez-vous à la salle de la table ronde. Du coup, je l'ai fait. Une fois que vous aurez appuyé tous les dialogues, elle vous remerciera et offrira une graine d'or pour votre aide. Bon, je l'ai trouvé par terre, mais ça revient quand même. Allez voir le maître sur la table ronde et sélectionnez-la pour pouvoir discuter. Retournez voir. Dites-lui ce que vous voulez. Vous demanderez une fois de bien veiller sur elle en retournant voir Rodrigue. Le cordage des esprits. On retourne. Vous remarquez une option d'accordage des esprits. Bon. Ouais, mais il m'a dit non. Enculé. Vous pouvez vous promener à tout moment, vous pouvez voyager jusqu'à la Round Table Hall. D'un grand tour, une grande fantôme ainsi que des quelques ruines. Bah, ça manque ça en fait là. J'ai pas fait ça. Le scion griffé. À Stormvale. Un vent hurlant. Le scion greffé. Je l'ai tué le scion greffé. Le scion greffé. Elden Ring. Scion greffé. Je l'ai pas tué le scion greffé. Eh non, j'ai pas tué ce machin. C'est où? Le rejeton greffé. Non, si, je l'ai battu. Oui, mais... Tu le tues, toi? Oh, il va le tuer. Attendre... Ding. Elden Ring. Allez au skion greffé. Moi je le tape hein, votre skion greffé si vous voulez. Mais comment on y va? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour voir comment vaincre le rejeton greffé et comment le retrouver. Donc tout d'abord il faut se rendre aux 4 B3 ici. Ok, j'ai pas stagé. Ah ouais? Oui, mais tu as pas dit où est-ce qu'on va? Ok, t'es relou. Laisse vous situer sur la carte. Donc pour aller là, Ah mais je suis donc c'est déjà pour la allé zone là. aquatique qu'il y a ici. Il y a le Tamaris, Ah mais la c'est côte à greffée, côté, à attendez. ce niveau-là, là, par là. Et vous arrivez sur ce continent. Et on remonte jusque là, vous pouvez aussi passer par le haut ici. Hein. Bref, c'est ici. À partir de ce camp, on va descendre. Tiens, il y a un truc ici. C'est juste là. C'est un téléporteur. Pour l'activer, il faut une clé lame de pierre. Faut que je crée. Tac, clé lame de pierre. Vous l'utilisez et vous débloquez le téléporteur pour retourner voir le rejeton. Eh ben on va le faire. En plus je devais y aller là-bas. En disant il y a sûrement un truc.
C'est l'occasion d'y aller. Par contre, une clé lame imprégnée. On va le faire, ce combre est fait. Non, ce con. J'ai pas. Faire blavauder, excusez-moi. Hop, hop. Ok, on tourne ici. On va aller au château des quatre châteaux là. Salut les méduses. C'est tellement satisfaisant de tuer des machins comme ça. Alors qu'ils ont rien demandé, hein. Ça doit tuer sur mon karma. J'ai loupé la zone. C'est par ici. Il est beau, hein. J'ai tué la dame là-dedans. 45 000 d'XP, on se souvient. Salut les girls! Les 4 beffrois avec la tour magique et du machin. Ok, ça a l'air d'être ça. Non, parce qu'il y en a un ici, ici. Il y en a un là. Mais putain, il y en a partout. Il leur faut tous des clés lampières. Reposons-nous, et on avait vu que dans la vidéo c'était celle-ci. Ok. J'en ai des clés lampières, j'en ai plein. Ouais, je dis ça, je sais pas. Putain. On va trouver la solution. Regardez, solution. Elden Ring, clé, lame, pierre, imprégnée, localisation. Localisation de la clé, lame, pierre, imprégnée. Une seule. Vision. Vous devez emprunter le chemin de... Ouais, t'es où? Plus simple. Plus simple. Ok. Vous devez emprunter le chemin que seconde dans la clé, pour la quête Taos. Pour trouver rendez-vous dans le salon du débat, sortez et montez sur la gauche. YouTube, parce que là, Elden Ring, clé, lame, pierre, imprégnée. Elden Ring, clé, lame, pierre, imprégnée. Y en a que 3, sachant qu'il y a 4 portes. Là, 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 lui il a l'air de trouver. Bien le bonjour, bien le bonjour. Utilisé une dans une autre vidéo. Yem, partage l'endroit, point détaillé parce que c'est assez tricky. Là, vous m'excuserez, j'ai un petit ralentissement à chaque fois que je charge l'académie, je ne sais pas pourquoi. Ça va passer en 2 secondes, pas de problème. On monte sur cette petite butée, on tue l'ennemi devant. J'ai fait tout le tour ici, c'est bizarre. Oh, tu one shot. Voilà. Ouais. Le pire, c'est que j'annonce. Je dis, je vais en prendre une dans le dos, je n'esquive pas. Ah. Je me régène, hop. On avance, Oh. on tue les Il pantins, était qu'en ensuite plus 5, ça, le on maire. avec son double arc. Derrière cette échelle, de l'autre côté ici, on a une petite ruine de niveau 4. Bon, je vous laisse explorer niveau objet. Là, j'ai même pas de pouce, Ouais. c'est simplement pour aller récupérer la clé. J'ai exploré en fait tout le début, j'ai trouvé la clé, je me suis dit, ok, il faut le partager, c'est parti. Donc là, maintenant qu'on est là, on a un combat contre un mage et trois petits guerriers gargouilles. Les petits guerriers gargouilles sont assez embêtants. Je vous le cacherai pas. Tu one-shot les gens et tu dis ça, frère. Donc, niveau PV, ils sont nuls. Par exemple, dans le dos, s'ils arrivent à coordonner leurs attaques. Non pas qu'ils fassent beaucoup de dégâts, mais ils vont pas arrêter de vous attaquer, c'est très embêtant en fait pour les contrer. Bref, on saute sur ce toit, on saute sur celui en dessous, on saute sur celui encore en dessous, on prépare sa meilleure attaque sautée sur lui. Voilà, par contre, tu fais un trajet du futur. Arrivez de ce côté. Soit vous pouvez descendre pour aller chercher les objets, donc vous en avez ici, vous en avez là en descendant l'échelle, vous en avez là-bas au bout, il y a plein de trucs à explorer, ici aussi, soit on va simplement récupérer notre clé qui se trouve juste là. Voilà, donc ici, on fouille le cadavre et on obtient une clé. Ah, j'ai pas cité. Ah, je sais, voilà. Une clé lame imprimée. Bah écoutez, c'est t'y pars? Salon du débat. Bah, on va visiter. Hein. Il nous a pas tout montré, mais du coup, on va aller faire une visite nous-mêmes. Il a l'air d'avoir du monde quand même. Hein. Par contre, je vois bien son DP qui one-shot tout le monde, moi. Il a l'air d'avoir fini le jeu plus que moi. Là, couper la VOD ici. J'y pense jamais. Ok. On peut activer les copings, mais on s'en fout. Gauche, droite, gauche.
Saut. Aïe. 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 Ah, moi ça one shot pas. Bégou. Ok, ouais, si j'avais su. En fait, j'oublie tellement qu'on peut sauter que ça, j'y pense pas beaucoup à sauter par des trucs comme ça. Sauter par-dessus. Ok. Il m'a dit une rune plus 4 par là, là, j'y vais, hein. Ouais, rune 4. On est jusqu'à rune 6. Je suppose que ça va jusqu'à rune 10 en vrai. Connaissant le jeu, rune 10. Rune 10, et je dirais que c'est 25 000. Ah, en 20 000 plutôt. Ok. Et bah alors? Putain, il m'a mis une mandale, genre en mode où mon personnage essaie de coller. Ok. Des flèches de cristal, je m'en fous. Pierre d'éclat du coucou. Les trucs par là? Des carreaux Merotan Vanik. Dans tous les cas, faut descendre par là, on a vu dans la vidéo. Puis par là. Puis on peut descendre par là. Non. Après réflexion, j'ai pas l'impression. Par contre, par là, oui. Par là, oui. Il a dit on fait notre giga attaque sauter sur lui. C'est pas grave. J'ai pas comme si j'avais 50 flèches dans mon corps. Et lui il a dit faut descendre par là. Mais il y a l'air d'avoir des trucs par là. Un arc, c'est la première fois que j'ai un arc dans le jeu. Une rune d'Orica, ça fait plaisir. En plus je l'avais fait sur le. Sur pas Vanyan. Oh si c'était sur Vanyan, donc je l'avais fait de se balader comme ça. Et là j'y ai pas pensé sur lui. Il y a une échelle, mais il a dit nous, c'est par ici. J'ai pas eu peur. On va continuer l'exploration par là. Il y a l'air d'avoir des runes 4 partout. Pierre de forge 3. x2, ça fait plaisir. C'est flippant les sauts parce qu'ils avancent suffisamment pour dire je te fais du parcours, mais pas suffisamment pour dire j'ai peur. On peut descendre tout en bas ou descendre sur cette mi-hauteur. On va descendre sur cette mi-hauteur. C'est quand tu veux que tu t'arrêtes. Arrête-toi, arrête-toi. T'as une barre d'énergie toi aussi. Eh, mais je reconnais. Graisse magique. Oui, il y en a un qui est tombé. Tu dérailles mon ref. Mais pourquoi il y en a un? Oui, tu m'enlèves mon armure alors que je suis full life. Salaud, oh le fake. Arrêtez, non mais c'est fou ça. La VOD fera 1h30, mais je vais aller leur niquer leur daronne.
avec tout le respect que je leur dois, ça veut dire zéro. Ça s'arrête pas en fait, c'est ça qui est chaud. Se prendre des coups, c'est normal, mais à un moment, faut pas prendre de coups. Gauche, droite. Ouais, c'est chaud que ça s'arrête pas. Ok. À partir du moment où je deviens un esquimau. Un porc-épic. Un esquimau, j'allais dire. Ah, je pensais que t'allais juste jeter des trucs de merde à chaque fois là, non? T'as voulu faire un truc un peu plus stylé là? Eh tiens, on y pense, y a un truc en face ici. Y a un en avoir où l'accès d'action a l'air d'être chiant quand même. Ouais, je sais que ça se dit pas. Ok, on se rappelle d'ici. On peut aller descendre tout en bas et je pense que c'est ce qu'on va pas faire. Clé éclat de l'académie. Bah voilà, j'ai pas un truc que j'ai nouveau. Il y a plein de trucs violets que je connais pas par ici. J'ai loupé une merde. Ok. Salut. Les dégâts. Ok, le bouclier ne servira à rien. Faut sauter ou roulade. Bouclier. Non mais c'est ch... Je vais mourir. J'ai pas l'air d'entendre... Je les entends pas, je les entends pas. L'impression qu'on peut pas descendre. Oh, il y a un truc. Hey. Moi ce que éclat machin. On peut descendre par là. Et l'échelle a l'air d'être là. L'échelle accède à un autre endroit. Faut qu'on y retourne en fait. Y a lui et l'échelle. Est-ce qu'on veut tuer lui? Non, on va aller à l'échelle. On speedrun l'échelle. Ouais, non, flemme, flemme, flemme. On va aller à la clé lampière. Si, il faut y aller, parce qu'après on va louper les zones, on va se dire, ah, on a peut-être loupé un truc là-bas, faudrait qu'on y retourne un jour. On n'y retournera jamais, donc on va y aller maintenant. Ouais, je le fais bien. La VOD fera une heure et demie, mais je veux y aller. Celui dans le dos, c'est vraiment aléatoire hein, quand il touche. Là, je ne peux rien faire. Ok.
Non, non, mais c'est chiant. Priorité sur toi. Je ne peux rien faire, comme d'hab. Putain! Tu es un man... Un mosquée, man. Ok, je disais, tu es un connard comme ça prend 1000 ans. Je me presse aussi, je sais que c'est de ma faute. Ouais, je sais que tu fais ce pouvoir-là, j'ai pas peur. Bon, la petite esquive du pixel. Avant d'aller tuer la gourgonite, j'ai envie de descendre par là. Oui. Pierre de forge sombre 4 et c'est tout. J'ai fait tout ça pour rien. Bon, c'est jamais pour rien, mais quand même. On peut descendre par les échafaudages et c'est ce qu'on va faire. On va prendre le temps de remonter. Salut toi. Tu m'as vu? Ouais. Adieu, merci pour l'XP. En bas, c'est ok, c'est là en bas. On va le faire se rapprocher. On va aller dire toi là. Eh bien. Oh le bâtard! On a fait la même chose. Ça, c'est abusé par contre. Putain. En plus, je sais que je lui fais mal avec les saignements et tout. Là, je peux rien faire. Je peux rien faire à chaque fois. C'est bon, je suis mort. Calme-toi. On peut y aller à cette clé de pierre de la mort qu'on a, on va pouvoir partir. On est allé récupérer une merde en plus, une rune 4, on a fait tout le trajet pour rien. Allez, passe un bon moment, spa, 4 froid. Tout ça pour aller améliorer la squad team. Ah mais j'y tiens cette squad team. Ce jeu n'est pas amusant, si, en plus j'adore ce jeu, pourquoi? En fait je comprends pas pourquoi je suis nul alors que j'ai Nodes Dark Souls 3. Parce que Dark Souls 3 je le connaissais par cœur et que je l'ai Nodes au bout de la 15ème run. Précipice de l'anticipation. Il y a besoin de plein de calames sur les 4 bâtiments là. On a l'air d'avoir des... On a l'air d'aller à des endroits assez particuliers. Chapelle de l'anticipation. On est là. Ah, on est là. Ok. Donc je suppose qu'il y a une zone qui amène ici, une zone qu'on amène là, et puis il y a d'autres endroits, quoi. Peut-être. Tu me donnes pas un petit feu. Par contre, tu me laisses faire le tour du truc, un endroit où il n'y a rien. Mais par contre, on est là.
Et toi, je te connais, toi! Oh, les saignements. Ok, t'as mis de la lumière sur tes armes. On retourne au spawn. J'ai tapé tout ça pour ça. Ah ouais. J'ai pas eu l'impression qu'on a un item particulier. On était censé avoir un item particulier. Ça a vous? Oh, et on va retourner là-bas. Elle a disparu. J'ai parlé avec la fille, elle est vraiment douce et je lui ai dit tout ce que je savais. Et c'est le moindre que je puisse faire, le rendre hommage, je suis désolé d'avoir douté de vous. Mais elle est passée où la dame? Et plus devant la cheminée, hein? Un plaisir de vous voir, merci à vous, je dois vous remercier pour avoir convaincu Maître Egg. J'ai la joie de vous annoncer qu'il m'enseigne la double valeur de l'harmonisation mutuelle. Je mesure pas vos capacités, mais je suis utile. J'en ai pensé, et puis si la chance de petite Florence je me sers qu'un réflexe, alors il va falloir mon devoir apporter à ma j'ai ravi de faire votre connaissance. Cendre de méduse spirituelle. Ça a l'air d'être fou les méduses. J'en ai 4 des méduses martufées. Il a l'air d'être bien lui, hein. Ok, j'aurais pas le truc. Mais là, c'est déjà pas mal. Et je peux aller monter au plus 5 parce que j'ai un Mugue Mortifié 4, mais c'est pas les... j'ai pas l'XP. Attendez, on va le faire. Je pense qu'on va claquer toute l'XP même. Merci. Non, 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 non. Fabrication d'objets, inventaire. Utilisation multiple. Ok, on a assez d'XP pour passer un level qu'on va mettre dans la mémoire. Monter au niveau. PC. On passe à 87. On passe à 87 de PC. Ce qui nous donne accès à... Allons voir. Merde, c'est 88. Je suis une salope. Harmonisation mutuelle. Améliore-le-moi. Et là, il faut une 5. Ce qu'on n'a pas. Par contre, lui, je veux l'améliorer. Et on n'a pas de 5. Maintenant, je veux voir la squad team face à un boss, voir ce qu'il donne. Et le meilleur moyen de voir ça, c'est quel boss on était en suspens. L'arbre magique. Ah, l'arbre magique, c'est le meilleur boss pour aller voir ça. Non, ce monstre de feu là-bas. Dans l'église de Marika. Il y a un endroit pour y rentrer facilement. Ici. Ouais mais non parce qu'il faisait des dégâts de là, c'est pas un boss facile d'accès que j'ai laissé de côté. Mais arbre magique ici. Allez, on va se tenter cet arbre magique là-bas. On va voir hein.
Ok, on a suffisamment d'XP. Et on a des cendres de semi-humains en plus 4. Bon, en un coup là, il a déjà fait plus que tous les trucs ruinés. Ah, ils ont beaucoup plus de vie, c'est tellement agréable. Pas tant que ça, mais tu sens qu'il y avait quand même eu en plus. Tant mieux que ça m'ait fait éloigner. Bon là, il meurt, mais au moins, je le sais. Ah putain, c'est relou ça. Non, bah du coup, non, je peux pas. Mais putain, c'est vrai. Ah, c'est chiant ça. Bon, de toute façon, je vais vous laisser. Dès qu'on aura le prochain niveau, on le mettra dans la mémoire pour avoir l'autre bocaus. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura pas mal avancé. Petit récapitulatif, on aura découvert les catacombes du Lynchal avec les fourmis géantes. On aura fait ce petit côté droit. On aura tué un petit boss, un petit bateau. On sera monté là-haut. On aura découvert l'Ancel. En fait, on n'a pas trop avancé, mais au moins on a fait ce petit côté droit. Pas parfaitement, mais on a avancé. Moi, j'aimerais bien avoir suffisamment pour passer par là, mais je pense que je suis pas encore assez équipé. Et je pense que la prochaine fois, on va continuer de monter par là, surtout vers cette forteresse. Donc peut-être partir de là et voir ce qu'on a à faire avec. Pour aujourd'hui, je vais vous laisser, mais je pense qu'on a déjà une bonne moitié de la carte découverte et un bon tiers du jeu. Peut-être moins, un bon quart du jeu réalisé. J'ai envie de dire tiers, mais très très positif. Je suis content que je suis beaucoup plus content d'une zone séparée comme ça. Donc ça veut dire on a la zone, on découvre, il y a un ou deux camps, quatre ou cinq boss et on l'a fait en un live qu'une zone coupée comme ça. Parce qu'une zone coupée comme ça, tu te perds. Genre première zone, deuxième zone, trois voire quatrième zone et là tu es sur une cinquième zone qui peut se diviser en 7 3 sub-zones derrière. La map, moi j'aime bien les maps, genre tour radio. Je prends une tour radio, je découvre, je visite les environs, je fais les quêtes, je prends une tour radio, je découvre, je visite les environs, je fais les quêtes. C'est carré, je préfère, et c'est pour ça que j'ai adoré Far Cry 4. J'ai adoré des jeux comme Far Cry, comme Assassin's Creed, de me dire une zone, je découvre, je machin. Parce que plus la zone est grande, plus tu te perds, plus tu dois faire des notes, plus tu dois dire ok, ce que j'ai loupé par là-bas. Alors que si t'es fixé sur ta zone, tu découvres une nouvelle zone, voire même des fois un nouveau biome, un nouveau truc, c'est magnifique. Tu avances, c'est bon, tu repars. Blablabla. C'est deux choix différents et je sais qu'il y a des gens qui préfèrent avoir un truc Skyrim où tu te dis voilà t'es là, la suite. Alors que moi je préfère dire t'es là, t'as une tour là-bas, va sur cette hauteur ou va sur cette pointe carte, fais cette petite zone là-bas, puis t'en as une autre qui est plus compliquée, puis machin. C'est pour ça que j'aimais bien ce coup d'Odyssée qui était subdivisionné par niveau et là dans chaque niveau, dans chaque zone de niveau, tu avais trois ou quatre oiseaux. Tour de synchronisation, découvrir. Mon avis. Bon, on se retrouve demain pour du Hearthstone et peut-être du Hearthstone l'après-midi et peut-être du Elden Ring le soir. On verra. Pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous. Alors, faut que je quitte le jeu quand même à la mano. Même si, voilà. On est déjà à 15 heures de jeu, sachant que c'était à peu près 100 heures de fichiers. Donc, si on considère que c'est 100 heures de jeu, ouais, je suis un peu loin. Mais on a pas mal avancé. Je vous fais des gros bisous pour aujourd'hui, c'était Bob le Caribou, on se retrouve demain pour du Hearthstone, voire pour plus. Je sais pas encore, peut-être que le soir on ira sur Elden Ring, sinon j'irai jouer avec les copains. Mais l'après-midi, un petit peu de BG, parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas retourné dessus, et j'ai pas mal joué hors caméra. Et bon, la méta dragon, vous savez qu'il y a eu un patch, mais j'ai trouvé une petite méta cachée sur les élémentaires. Le mini-rack qui est passé TAF 5 et la nouvelle carte TAF 6. Il y a moyen d'avoir un truc avec des PV à l'infini. Je vous fais des gros bisous YouTube, c'était Bob le Caribou, des bisous le stream, c'était Bob le Caribou aussi pour le stream, genre en cohabitation. A demain pour du Hearthstone, bonne soirée à vous et bonne nuit pour ceux qui vont se coucher.